Le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin par ce grand privilège que le Seigneur nous a accordé. Sachez-le, si nous n'avons pas eu le privilège auprès de lui, tout ce que nous allons faire, ce n'est que quand quelqu'un qui est en train de s'aventurer sur une montagne et des glaces, une montagne glacée, si je peux dire. Donc cela veut dire comme les gens là qui aillent là-bas, qui pratiquent ces sports que nous appelons en anglais, j'ai oublié, bon, je ne parle pas de l'anglais ici, vous allez m'excuser. Donc cela veut dire quand quelqu'un est en train de s'aventurer avec la parole de Dieu, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc tu risqueras de tomber peut-être par la tête et puis tu vas perdre ta vie. Alors, à ce qui concerne les choses de Dieu, vous n'allez pas simplement perdre cette vie ici, qui est temporelle. Vous allez perdre même votre âme. C'est ce que nous disons toujours, la séparation éternelle avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand nous avons eu ce privilège auprès de lui, dans sa miséricorde qu'il a renouvelé pour nous, c'est ce qui fait en sorte que nous sommes heureux. Nous pouvons dire ça avec joie dans nos cœurs, que nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, de venir commémorer sa résurrection. Vous voyez, donc cela veut dire avec ce qu'il a mis à notre disposition. Vous voyez, donc cela veut dire la vie. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle que nous avons mis ceci à votre disposition. Vous voyez, donc cela veut dire beaucoup de gens ne croient pas à ça. C'est des questions que nous puissions parler de ça tout au début, mais on a voulu peut-être avancer d'abord, donner un peu un récit un petit clair, enfin un tout petit clair, pour que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de parler, et puis enfin, de dire pourquoi est-ce que d'autres gens ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça parce qu'ils n'ont pas, sont allés étudier Dieu. Quand vous allez étudier Dieu dans des universités, sachez-le que non, vous allez interpréter d'autres choses à votre manière. Et vous allez mettre Dieu de côté, mais en se disant que vous êtes en train de lui servir. Ouais, c'est ça le problème dont nous avons aujourd'hui. Ces choses ici, vous voyez, comme nous avons dit que non, autrefois, que non, la première Bible a été écrite au ciel, c'est le Zodiac, et la seconde Bible s'appelle les pyramides, et la troisième Bible, c'est celle-ci que nous avons avec nous dans nous. Ouais. Donc, vous allez remarquer que non, dans les pyramides, c'est ce qui nous a amené de placer toutes ces choses ici qui nous a été révélées aujourd'hui. Et nous avons vu que l'imitateur, le diable, qui a commencé son imitation depuis le jardin d'Éden, lui aussi, il est là qu'à imiter Dieu. Ouais. Donc, cela veut dire, nous avons mis une autre pyramide qui était de ce côté ici. Ouais, donc cela veut dire que nous avons parlé de beaucoup de choses, et parlé même le combat que le pèlerin de Saint-Michel, l'Église catholique au Canada, ils sont en train de lutter à ce qui concerne le problème de leur combat est basé sur j'avais parlé de ça ici. Donc cela veut dire la démocratie économique. Vous comprenez? Donc, ils ont aussi parlé de ce que moi, je suis en train de parler ici, ce qui concernait le pyramide des Illuminati, de toute loge, là, vous connaissez. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là-bas. C'était juste un briefing que nous sommes en train de donner. Ouais. Donc, c'est pourquoi, quand on a mis ici, nous vous montrons la marche de l'Église. Parce que le chef de l'Église, quand il est venu, il a payé les prix par son propre sang, qui était le sang de Dieu, qui est le sang de Dieu. Vous comprenez? Et quand il a payé les prix, nous avons vu qu'il les a dit de rester dans un même lieu jusqu'à sec. Et ils étaient restés là-bas, enfermés dans la chambre haute. Ouais. 10 jours après, nous avons eu la vision du Saint-Esprit. Ouais. Et ils étaient tous remplis, ouais, du feu. Et vous comprenez? Langage de la Bible, cela veut dire des langues de feu sortent de leur bouche. La langue, c'est le pouvoir. La langue, c'est une puissance.
Par la langue, vous avez la force. La langue peut faire sortir le mal, le bien, la sagesse, édifier ainsi des suites. La langue peut bénir, maudire. Ouais, par la langue. Et nous avons vu que Dieu se répandit par leur langue. Pierre, dans l'autre fois, qui était un rien, quelqu'un qu'on ne considérait pas parce qu'il n'avait pas, il avait aucun diplôme, c'était quelqu'un qui fit qu'un pécheur. Ouais. Donc, mais le Seigneur a fait de lui pécheur d'homme. Il a rendu un grand dont nous parlons de Pierre jusqu'aujourd'hui. Voilà la manière de faire des tiers, de prendre des vauriens, des inconsidérés. Vous comprenez, si vous lisez même dans le livre des Luc, ouais, donc cela veut dire les gens de la vie aimaient Jésus parce qu'il parlait de la langue. Il parlait d'une manière, et cela veut dire, donc cela veut dire qu'il était trop simple. Il parlait le langage de la rue, s'il faut dire. Vous comprenez, il ne parlait pas un bon français comme les gens qui aiment écouter un bon français, un bon accent francophone, ou soit anglophone, espagnol, ainsi de suite, tous les affaires. Ouais. Donc, nous avons vu que ce même Pierre qui a mis le fondement de l'Église, pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit que non, quand il sera converti, affermis tes frères. Vous comprenez cela? Le Seigneur a dit ça à qui? À Pierre. Quand il sera converti, affermis tes frères. Remarquez, pendant tout ce temps-là, que Pierre demeurait avec le Seigneur, il n'était pas encore converti. Ça n'a pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, du maître lui-même. Vous comprenez? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire la conversion. Comme nous disons, ce n'est pas simplement question d'entrer ici, comme nous avons mis avec vous ici les trois étapes de la grâce dont nous l'avons amené ici dans ces âges ici. Vous comprenez? Dans la patience avec l'âge de Sardes, l'âge de l'église de Sardes, avec la piété, l'âge de l'église de Philadelphie, nous avons vu que non, la justification qui était en bas ici, dont Pierre a amené ici dans Actes des 38, quand le Juif lui a entendu, vous comprenez, ces jours-là de l'effusion de la Pentecôte, vous voyez, donc que ferons-nous, frères? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Parce que Pierre les a rappelé les Écritures. Il n'était pas venu là pour leur dire, vous allez voir que votre vie va changer ce matin ici, Dieu va faire ceci, non sans pour autant appuyer cela par les Écritures comme nous le voyons aujourd'hui, et cela a mené le monde entier. Cela veut dire 95-98% des gens sont dans la prostitution spirituelle. Et les gens avancent toujours, ils ne reculent pas, ils ne tiennent pas compte même des Écritures. Donc cela veut dire qu'ils ont abandonné les créateurs, ils sont avancés avec des dons, avec le créature, et les gens sont aveuglés. Voilà, donc c'est ce qui a été dit par le Seigneur, l'amène les témoins fidèles, vous comprenez, ici, dans cet âge de Laodicée, vous comprenez, dans cet âge de l'église de Laodicée, d'Apocalypse chapitre 3, 14 à 19, vous comprenez, donc c'était ça, voilà. Et c'est ce qui se passe, personne ne peut en douter, si quelqu'un peut me prouver que cela est contraire à ce que l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19 nous a dit. Cela ne se passe pas dans les églises aujourd'hui. Alors, qui lève son petit doigt et venir me contredire? Vous comprenez, venir nous contredire ici. Donc, cela veut dire que c'est correct. Chaque âge de l'église ici, selon son identification, comme nous avons lu ça ici, en commençant au chapitre 2 des livres d'Apocalypse, nous avons parlé des livres de l'âge des lions ici avec Paul. Vous comprenez, d'Éphèse, parce qu'après le cercle des apôtres, ici nous avons remarqué que non, laisse-moi retourner un peu là-bas, après nous allons lire les Écritures et avancer un peu plus vite. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Nous avons remarqué que non, quand Pierre a fait cette déclaration, quand les gens, ils ont écouté la parole bien interprétée, c'est que les prophètes ont annoncé autrefois. Vous comprenez, la venue de Elohim, comment il s'est manifesté, ils ont compris que Jésus, qu'ils ont laissé être crucifié par les mains des impies, comme les gens crucifient Christ de nouveau aujourd'hui,
comprendre au travers des systèmes, des formalismes, de ces mondes du conseil œcuménique, fait des gouvernements et des églises. Alors, au-dessus de cela, il y a des loges sataniques qui contrôlent tout, le gouvernement et les églises. Nous avons expliqué tout cela ici. Nous ne pouvons pas retourner là-bas. Mais si vous voulez sauver votre âme, venez sur ce que nous sommes en train de parler ici. Parce que nous ne voulons pas vous faire sortir de là où vous êtes si vous n'avez pas pris votre position vous-même. La décision revient à vous. Vous comprenez? La décision est entre votre main et sur votre front. Voyez, si vous prenez une mauvaise décision, sachez-le que cela va donner une marque sur votre front et un acte sur votre main. Vous voyez? Donc c'est ça. Et maintenant, nous avons vu que Pierre les a rappelé les Écritures un à un. Si vous lisez là-bas en commençant au Acte chapitre 1, 2, jusqu'à la 38. Et ils se sont présentés, ils ont dit, que ferons-nous, frères? J'ai dit, baptise, que chacun de vous soit baptisé. Avant qu'il puisse parler, donc repentez-vous d'abord. C'est ça la première étape de la grâce, la justification, que après cet âge, je suis de Lyon qui est venu mettre le fondement, parce qu'il a quitté le judaïsme, qui, Paul, le lion. Vous comprenez cela? L'ange de cette première église, ouais, l'église d'Éphèse, ouais, c'est pourquoi vous voyez cette pyramide de Dieu ici que le saint prophète a mis par inspiration. Ça lui a été révélé, donc cela lui a été donné divinement. Ouais. Et nous avons vu que quand Paul est apparu ici, il a quitté le judaïsme parce que les apôtres ici, ils étaient un peu ballottés. Ils croyaient simplement que non, cet évangile est pour eux, alors que Christ a été rejeté à la croix. Ouais. On a rejeté Christ ici, ouais, comme le prophète Zacharie avait prophétisé en avance. Donc, frappe les bergers, ouais, et les troupeaux vont se disperser. Nous avons parlé de cela. Vous vous souvenez comment est-ce qu'Israël s'est dispersé partout dans le monde. Mais le Seigneur s'est arrêté avec lui. Il a dit que je tournerai ma main vers les impiétés. Ouais, donc, vous savez, les gens des nations, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient plusieurs dieux. Et nous voyons ceux qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui continuent à adorer plusieurs dieux aujourd'hui. Ouais. Et nous avons vu qu'il a appelé Paul, qu'on appelait autrefois Saul de Tarse. Ouais. Donc, c'est lui-ci qui persécutait l'église du Christ. Ouais. Donc, lui qui persécutait l'église, ouais, et maintenant, le Seigneur lui a appelé, après ce cercle des apôtres, quand l'acte 10 s'est passé, il y avait un peu de doute, le Seigneur ne peut pas utiliser quelqu'un qui a un peu de doute. Le Seigneur utilise des croyants, c'est pourquoi nous avons parlé, je vous fais des rappels, parce que c'est très très important, ouais, c'est pourquoi nous avons parlé sur la manifestation, cela veut dire l'onction reçue. Ouais, donc cela veut dire la manifestation des dons. De ce que le prophète Joël avait promis et avait prophétisé. Et quand ce temps était arrivé, dans les derniers jours, l'Éternel répandra de son esprit. Nous avons dit que non, malheur à ceux qui ont reçu cette onction au niveau de l'esprit. Nous avons dit ça parce qu'au niveau de l'esprit, il y a cinq sens. Au niveau de l'âme, il y a que la foi ou le doute. Mais cela ne veut pas dire que non, comme Pierre avait douté de manger des histoires impures, qu'il était un égaré. Non. Vous comprenez cela parce qu'il s'est penché sur leur religion du Juif. Donc, comme il se croyait juif, donc il ne pouvait pas se diriger vers les païens pour les, parce que l'évangile est venu pour les juifs et les samaritains, non, nous les gens des nations. Alors que la dispensation avait déjà changé. Comme les gens aujourd'hui restent adorer Jésus dans Galilée, là, en Israël, à Jérusalem, ils prêchent Jésus d'hier. Alors que nous avons vu quand il était venu lui-même, il a dit c'est le 11e heure du jour. C'est la 11e heure du jour, pardon, vous allez m'excuser. Vous comprenez? Et quand le Seigneur lui-même, quand il est venu, il a dit c'est la 11e heure du jour. Alors vous, aujourd'hui, vous retournez là.
là-bas. Non, on est vers le soir. Les temps est tellement avancé. Vous comprenez, non? Si vous faites retourner le Seigneur là-bas, cela veut dire que vous le crucifiez. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est un réveil passé. Donc c'est pourquoi on avance sur les événements modernes. Vous comprenez? Ce qui nous est révélé aujourd'hui, c'est ce qui va nous donner la position en Christ. Et en prenant la position en Christ, c'est ce qui va nous avancer afin que nous puissions retrouver nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 13, verset 8. C'est ce que nous sommes venus parler d'ici parce que on ne peut pas naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit sans pour autant connaître. Vous comprenez? Sans pour autant connaître, soit reconnaître les messages que le Seigneur a envoyé aujourd'hui. De la manière que le Seigneur s'est identifié dans ses fils et des filles ou dans ce temps nous vivons, pas d'hier. Vous comprenez? Hier, c'était le Juif, ils l'ont réuni. Vous comprenez? Et il a tourné son dos vers eux, il est venu vers nous les impiétés. Et quand vous lui témoignez, vous lui prêchez dans le passé, sache que c'est un réveil passé et c'est la mort. La mort est là. C'est pourquoi nous ne sommes pas venus ici pour parler de la mort, mais pour faire sortir les gens là-bas. Pourquoi? Parce que cet ange ici, son rôle était pour qu'il puisse faire sortir les gens d'ici. Parce qu'ici, il y a la mondanité. Ici, il y a la compromis. Ici, le diable a pris possession. Il règne comme il est Christ. C'est comme si c'est lui qui a payé le prix pour l'Église. Ici, le diable a pris possession de l'Église. Remarquez, c'est que les Écritures disent clairement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'humilier devant lui par la compromis, par la malinterprétation des Écritures qui a commencé là-bas en bas, dans Genèse. Vous comprenez l'histoire? Très souvent, elle se répète. Pourquoi? Parce que ces deux livres sont identiques. Ça montre l'identification du malheur quand il a commencé ici dans Genèse et ici quand il vient pour terminer. C'est la Genèse et l'Apocalypse. Vous comprenez? Ce sont ces deux livres que le diable n'aime pas. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que ça donne son identification. Comment est-ce qu'il a commencé et comment est-ce qu'il vient ici? Et quand il a pris possession ici, le Seigneur, Dieu de gloire, il savait. Et il envoyait déjà son ange pour faire sortir l'Église d'ici. Maintenant, c'est ce que nous allons lire ici et puis avancer et terminer. Vous comprenez, enfin, que vous puissiez comprendre comment prendre position. Oui, comment prendre position et comment vous puissiez vous mettre vos pieds dans la marche. Parce que la marche est là, mais si vous ne savez pas où mettre vos pieds, sachez que vous allez tomber de l'autre côté où il y a de l'obscurité. Vous penserez que vous vous avancez, mais celui qui est devant vous, vous amène dans l'obscurité et vous allez tomber tous dans des trous et ce trou-là se ferme et vous allez vous retrouver là, je ne sais pas. Bon, comprenez déjà ce que je voulais dire. Et maintenant, nous avons vu que quand ce cercle des apôtres a disparu, nous avons parlé de ça plusieurs fois, expliqué ce qui s'était passé, mais nous avons vu que non, ce cercle des apôtres, même celui-ci, ça partait, il était aussi comme apôtre, mais nous l'appelons apôtre prophète parce qu'il est venu mettre le fondement. Le Seigneur lui a pris, il a fait quitter du judaïsme, et il lui a lavé toute son intelligence qui était à lui. Le Seigneur l'en a enlevé dans Actes chapitre 9, quand il lui a appelé Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit que tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter. Vous comprenez? Je suis Jésus que tu persécutes, alors que lui, il persécutait des chrétiens, des humains. C'est pourquoi le dimanche passé, nous vous avons dit ici que non, si vous dites que vous aimez Dieu, vous haïssez votre frère, vous n'aimez pas votre soeur, vous parlez mal de votre soeur, votre frère, vous détruisez son influence, sachez que vous parlez mal de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes en train de lui tuer, alors que vous, une créature, tu cherches à tuer
ton semblable. Alors tu cherches à tuer Dieu. Poses-tu des questions, ce que tu es en train de chercher. Nous ne venons pas vous intimider, mais nous vous disons ce que les Écritures nous ont dit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que Saül, il est allé persécuter Jésus. C'est lui qui a tué Christ dans la croix. Et quand le Seigneur le prit, c'était déjà la mort, la résurrection, et l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Mais persécuter Christ, c'était déjà des chrétiens, les croyants. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous disons que nous avons le sang du Christ dans nos mains. Vous voyez, quel est ce sang du Christ? La parole, la vie. Ouais, c'est pourquoi nous venons ici pour parler de la vie sans compromis, ni rien que nous puissions ajouter de nous-mêmes, ni retrancher. Voilà. C'est pourquoi quand on insiste, d'autres gens pensent qu'on est en train de parler de ce que nous croyons. Non, on parle des Écritures parce que nous croyons ce qui a été bien interprété. Vous comprenez? Divinement. Ouais. Et faire en sorte que vous puissiez abandonner toutes les doctrines faites des mains d'hommes, fabriquées par beaucoup de confessions religieuses dans le monde qui ont commencé aux États-Unis d'Amérique. Nous avons tout expliqué cela. Cela a égaré beaucoup de gens. Ouais. Donc c'est pourquoi nous avons mis cette figure pyramidale ici en train de marcher avec ça et de voir comment est-ce que nous puissions prendre position, non des confessions religieuses, non des églises, ni de doctrine quelconque vient des pensées et de l'intellectualisme et de toutes ces choses, mais ça vient divinement parce que Dieu, il se révèle, il s'interprète lui-même. Il n'a pas besoin d'un interprète. Dieu choisit un seul comme il a choisi Moïse. Tous ceux qui n'ont pas voulu écouter Moïse, ils étaient ils étaient tous mourus, perdus dans le désert. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, si vous ne voulez pas écouter sa voix aujourd'hui, ouais, parce que quand on parlait du signe là en Égypte, les signes qu'ils devaient posséder, avoir, vous comprenez, ces signes-là, c'était un homme. Vous comprenez? Il y a un signe aujourd'hui dont les gens n'ont pas tenu compte. C'est que nous parlons souvent ici des tokens. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous parlons du token, ces signes dont nous vous parlons ici, le signe dont le Seigneur envoie, c'est un homme pour préparer toujours un peuple à sortir pour aller à sa rencontre. Moïse a préparé un peuple. Vous comprenez? Et quand lui a quitté la scène, nous avons vu que Josué était là. Il a tout donné à Josué. Et le Seigneur, l'Éternel, a dit à Josué, marche sur le pas de mon serviteur Moïse et tu réussiras sur tout ce que tu fais. Et il a réussi, même à arrêter la lune et le soleil, jusqu'à traverser le Jourdain, vous comprenez? Et il leur a donné à chacun la portion de terre, vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'insigne de l'Éternel d'un prophète majeur. Et si Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi vous voulez déformer la Bible? Pourquoi vous voulez déformer son insigne? Si l'Hébreu 13:8, parce que c'est ça notre doctrine, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez? Mais regardez, quand vous ne vous tenez pas compte que vous avez tordu le sens des Écritures, remarquez simplement l'apparence des églises et ce qui se passe au niveau des églises, comment et combien les gens aujourd'hui critiquent l'église, ils foulent aux pieds les choses des églises, parce qu'un humain ne peut pas fouler Dieu, donc vous-même, vous vous faites fouler à cause de ce que vous êtes en train de faire. Comme j'ai entendu quelqu'un parler de l'apostasie, et dans les messages. Dans les messages, il n'y a pas de l'apostasie. L'apostasie, ça se trouve dans des églises formalistes, ou soit dans des églises dites des messages, mais qui ne les sont pas. Vous comprenez? On ne peut jamais faire du message qui est Christ, parce que les messagers,
C'est quelqu'un qui vient avec le message envoyé par le Seigneur lui-même. Vous comprenez? Et comment est-ce que le Seigneur, s'il est bien interprété ici, divinement, c'est-à-dire lui-même, il est venu, il s'est incarné, il s'est personnifié comme Elohim au-devant d'Abraham, parce que la promesse était que tout fils d'Abraham doit avoir Dieu dans la chair humaine. Et Jésus, nous vous ont dit le dimanche passé ici, son chagrin qu'il mourait avec ça, c'était quoi? Est-ce qu'un mortel croira un mortel? Parce que moi, Dieu, qui n'est pas né de la femme et de l'homme, je suis né mystérieusement, ils m'ont crucifié. À combien plus forte raison quand j'enverrai mon épouse, vous comprenez? Pour rétablir ce royaume. Vous comprenez? Parce que nous avons vu que Élie de Malachi 4, qui est cet ange ici, son rôle était de prendre la foi de Père, Malachi chapitre 4. Nous avons vu Malachi chapitre 3, c'était Jean-Baptiste et son rôle, c'était de préparer le chemin du Messie. Il a préparé le chemin et le Seigneur s'est entré en scène et il a commencé son œuvre de rédemption. Ouais. Et maintenant, quand à cet ange ici, à cet Élie de Malachi 4 ici, son rôle c'est de ramener la foi de Père. Ce fondement dont nous sommes en train de parler ici, qu'ajouter à votre foi la vertu, ajoutez à votre foi la connaissance, ajoutez la tempérance, ajoutez à votre foi la patience, ajoutez à votre foi la piété, l'amour fraternel. C'est ce qui va faire la stature, construire en vous cette stature parfaite. Vous comprenez? La stature d'un homme est parfaite. Lisez ça, ça est là-bas, comme Frère Madame nous l'a prêché. Ouais. Donc, c'est ça. Et Jean-Baptiste a fait son rôle, il s'est retiré en scène. Et Frère Madame est venu, son rôle était d'amener la foi des pères, la foi apostolique, parce qu'il y avait des âges sombres ici, comme nous avons chanté ça dans un prix à payer. Ouais. Et dans ces âges sombres ici, tout a été étouffé de doctrine. Donc, pernicieuse a pris place. C'est ce qui est revenu encore ici dans l'Odyssée. Vous comprenez? Quand il y a eu le réveil pentecôtiste, les gens étaient ici, croyaient, voyaient des miracles et toutes ces choses, mais après, si vous restez sur les deux, vous rejetez l'interprétation correcte de la parole, vous permettez aux femmes de prêcher, de s'habiller comme ça, de toutes ces choses-là, cela fera en sorte que non, vous allez vous éloigner de la parole. Et c'est ce qui a fait que les gens se sont éloignés de la parole. Est-ce que vous comprenez? Et les gens se sont éloignés, et c'est ce qui fait qu'on critique les églises aujourd'hui parce qu'ils sont devenus formalistes et le diable a pris possession Laodicée. Je te dis que tu es aveugle, ni pourquoi tu es aveugle, ni parce que tu es ni foi, ni bouillant. Tu es tiède. Tu as pris le nom de Jésus avec les œuvres de maman. Laisse-moi pas là-bas. Donc, ça veut dire tu as pris le nom du Seigneur avec le nom de maman, le diable, les œuvres de maman, vous avez mis ça ensemble pour faire des miracles, des prodiges, Matthieu 24. Dans ces derniers jours, il s'élèvera des faux Christ et des faux oies, ils feront des prodiges, des miracles, jusqu'à faire des. Quoi? Jusqu'à séduire les élus, si c'était possible. Les élus ne seront point séduits. Pourquoi? Parce que ils resteront sur ce que cet ange est venu parler ici. Il est venu révéler. C'est pourquoi nous vous lisons ici dans les livres d'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, c'est la révélation en anglais. Vous comprenez? Revelation. Apocalypse, comme nous pouvons dire, ça veut dire selon nos conceptions francophones. Vous comprenez? Donc, cela veut dire même les enfants, les gens, quand ils pensent de l'Apocalypse, selon les définitions qu'ils donnent, ils voient que l'Apocalypse, c'est la fin, ce sont des événements mystérieux qui vont arriver, c'est la fin du monde. Tout ça, mais parler de ça d'une manière, langage biblique en anglais, c'est la révélation. Donc, quelque chose qui était caché, qui devait être révélé. C'est pourquoi si vous lisez ici, dans français, dans cette Bible française, au début, dans le chapitre 1er, on dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais nous avons vu que la révélation était donnée à Jean d'écrire.
Mais Jean, dans certaines choses cachées, quand il voulait écrire, on lui dit, ne l'écris pas, celle. Vous comprenez? Mais les livres là, nous les lisons. Comment est-ce que quelque part, on a dit, Jean, n'écris pas celle, ce qu'on dit, le sept étonné, ne l'écris pas. C'est pour le temps de la fin. Vous comprenez? Alors, le temps de la fin, Dieu parfait en sept. Ouais, nous avons vu qu'il a envoyé les lions, Paul, ses prophètes, apôtres venus, il a mis le fondement de notre foi. Il est allé jusque dans Actes chapitre 1, verset 8, en disant que même si un autre ange vient avec quelque chose d'autre que moi, je ne vous ai pas prêché qu'il soit anathème. Frère Banam est venu, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Pourquoi? Parce que cette foi ici vient d'ici. Malachi 4, la foi apostolique, ramener le cœur de père vers les enfants, prendre ce qui est des enfants et aller restaurer le royaume de Jérusalem, ramener ça au père. Est-ce que vous comprenez le rôle de Malachi chapitre 4, versets 5 à 6? C'est Élie le prophète, l'Élie des prophètes venant l'Esprit de Dieu dans cet ange-ci. Est-ce que vous comprenez? Avant que nous puissions avancer, laisse-nous lire les Écritures et puis nous allons avancer. Je pense que nous avons lu ça le dimanche passé sur les âges des églises. Nous avons lu chaque âge et ce qui s'est passé dans chaque âge. Comprendre? Donc cela veut dire ce que le Seigneur avait dit, pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc cela veut dire ce que le Seigneur avait promis. C'est ce que Jean nous a écrit ici, dans chaque âge des églises. Vous comprenez? Donc voilà. Ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, pour bien préciser encore une fois de plus sur ce que nous allons lire. Voilà. Donc, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Précision. Droite. Et de sept chandeliers d'or, vous comprenez? Les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de sept églises. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham. Vous comprenez? Le diable n'aime pas son nom, ses noms ici, parce qu'il sait que cet homme est béni. Nous révéler les choses cachées. Le diable n'aime pas, c'est pourquoi il a amené les églises à ne pas aimer cet homme. Vous comprenez? Comme j'ai écouté ces gars-là, je n'ai même pas voulu terminer là, ça. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Mais je ne voulais pas terminer ça parce qu'il n'y a pas de l'apostasie là où il y a la révélation de la parole. L'apostasie est dans leurs églises. C'est lui qui devait fermer sa bouche, aller consulter les Écritures. Vous comprenez? Donc, voilà, je lui dis ça avec amour, donc avec respect. Il ne faut pas se permettre d'aller derrière les vidéos pour égarer les âmes dont le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Vous comprenez? La voie pourvue par Dieu, il n'y a pas d'autre. Ce n'est que ça. Vous comprenez? Si les gens ont abandonné ce chemin ici, sachez-le qu'ils sont des égarés. Vous comprenez? Ils tomberont sur des prodiges et de quoi? Matthieu 24. Ils seront séduits parce que nous vivons l'âge de la séduction. Là où disait, lisez. Le Seigneur dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es ni pauvre, aveugle, malheureux. Vous comprenez cela? Je te conseille d'acheter de moi. Voilà, c'est ici. Voilà, ici, il n'y a pas de l'apostasie ici. Pourquoi? Parce que son rôle, nous allons lire ça ici. Vous comprenez? Il n'est pas venu ici pour s'éterniser ici ou se garder les gens ici. Non, là, on n'avance pas. Parce que quand on est ici, on est bloqué. Remarquez tout ce qu'ils étaient ici. Prenons l'exemple des méthodistes ici, dans l'âge de l'église de Philadelphie. Vous comprenez? Celui qui était ici, c'était qui? John Wesley. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné à cette église une église méthodiste? Parce qu'ils ont dit que c'est par sa méthode, vous comprenez, qu'il a
instauré dans l'église de cet âge ici. C'était quoi? C'était la sanctification, la seconde étape de la grâce. Vous comprenez? Donc, c'était ça. Et maintenant, quand John Wesley est mort, ces gens ici, ils ont donné à cette église méthodiste. Mais remarquez, ils ont tordu le sens des Écritures, ils n'ont pas avancé spirituellement. Regardez, c'est une église froide aujourd'hui, l'église méthodiste. Vous comprenez cela? Tous les pasteurs qui sortent là-bas sortent des universités. Et quand ils viennent là-bas, ils viennent avec l'intellect. Il n'y a rien de spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Et quand ici, nous avons vu dans l'Odyssée, on parle ici de l'amour fraternel. Mais chercher cet amour fraternel, pourquoi cela ne plus? Parce que la pierre qui bâtissait, que les bâtisseurs ont rejeté. Qui sont ces bâtisseurs? Les églises. Vous comprenez? Ils ont rejeté Christ. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Ouais. Donc, c'est lui la pierre de l'angle. Donc, cela veut dire qu'il devait chapeauter. C'est lui qui prend la prééminence et la domination ici. Mais les gens ont permis au diable de prendre la prééminence et la domination. Mais cet ange est venu pour que les gens quittent ici, parce que les gens ici sont aveuglés, bornés, pauvres spirituellement à cause des dons, des miracles et des prodiges. Vous comprenez? Mais lui, il les a fait sortir ici pour qu'ils puissent entrer ici et porter l'identification du Christ dont nous avons parlé autrefois. C'est ce qui fait que Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que ces gens-là étaient devenus des Christ. J'étais devenu de Jésus. Vous comprenez? Comme William Branham. Oui, c'est pourquoi le diable n'aime pas ce nom ici avec les églises formalistes. N'aime pas. Il ne peut pas aimer ça. Il ne peut pas. Ils ne peuvent pas aimer. Lisons. Alléluia. Les sept étoiles sont des sept anges. Paul, Irénée, Colomba. Et Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham. Ce sont des étoiles de Dieu, comme tout fils et fille de Dieu né de la parole. C'est une étoile qui a sa représentation dans les zodiacs. Vous comprenez? Si vous n'avez pas votre représentation là-bas, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est parce que ça vient de là. Ça va entrer ici, ça sort de l'autre côté. Les autres, ça n'entre même pas, ça passe. Vous comprenez, ça n'entre, ça passe ici, ça passe de l'autre côté. Et il est là, il regarde comme ça, et il dit, « Oti ka, yeswaza mon konze sili, ba wana tu ba koufa, tous sont morts, Kimbangwe, mort, Braname, mort, ceci est mort. » Mais non, moi je te dirais que non, tu te trompes. Voilà, je vous ai donné un exemple du prophète Élisée, Élie le prophète Élisée. C'est lui qui a reçu l'esprit d'Élie. Le second qui a reçu l'esprit d'Élie, parce que le premier qui avait l'esprit d'Élie, c'était Élie de Tisbite. Le second, Élisée, mort, enterré. On allait enterrer quelqu'un. Ils ont vu les ennemis, ils ont jeté le corps, sans tenir même compte qu'ils ont jeté le corps de cet homme-là qui demeure dans la tombe du prophète Élisée. Quelqu'un qui est mort, comment est-ce que quelqu'un peut ressusciter? Vous cherchez laissons. Vous comprenez? Saül était là stupéfait, il ne savait quoi faire. Ouais. Il est allé voir la magicienne pour pratiquer la divinité. Et la pauvre femme, criant en voyage, dit, vois quoi? Saül lui pose la question, il a dit, je vois de Dieu, parce qu'elle était une païenne. Si elle était une chrétienne, elle allait dire, je vois un Dieu qui monte. Est-ce que vous comprenez? Je vois un Dieu qui monte. Et quand il était venu, il a perdu ses facultés. Il a perdu ce qu'il avait dit à Saül avant d'aller se reposer. Il a dit, pourquoi troubles-tu? Je suis déjà mort, je n'ai rien à te dire, je n'ai rien. Non, pourquoi troubles-tu mon repos? Vous comprenez? Donc ça veut dire, ces gens ici, si vous les cherchez dans la tombe, ils ne sont pas là-bas, comme leur maître n'était plus là-bas. Comme quand vous mourrez aujourd'hui, avec cette parole ici qui a créé cieux et la terre, cette parole ne meurt pas. Vous comprenez? Comme nous vous avons dit que votre réceptacle, si c'était du ciel,
D'où viennent cette parole, cet réceptacle vous tirera d'en bas pour vous retrouver là-bas parce que vous n'avez pas fait l'alliance avec la mort ni le pacte avec le séjour des morts. Nous avons dit ça ici. Vous comprenez comment dire que non? Et tu ne connais pas Jésus là que tu dis qu'il est seul qui est ressuscité, mais il a dit quoi dans Romains? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est d'entre les morts. Laisse-moi bien aimé d'insister sur ces choses ici parce que les gens vous enseignent des choses qui vous égarent, qui vous tuent, qui vous éloignent de Dieu et vous restez là-bas dans les ténèbres. Vous comprenez complètement jusqu'à la mort. Et vous devenez des sacrifices pour les malins. En renforçant la puissance dans des églises par vos sangs, qui est vos vies, vos âmes, vos esprits, vous ne tenez pas compte. Et nous venons ici pour vous rappeler ces choses, pour vous dire ces choses. C'est eux qui n'écoutent pas, sache-le dès ce dimanche, que non, c'est ton propre problème. Quand on se met là-bas à parler en mal de celui qui est venu avec la révélation du jour, comme nous disons en anglais, Apocalypse, c'est la révélation. Et le Seigneur a dit ça ici, c'est ce que nous allons lire. Vous comprenez? Parce que si vous n'avez pas écouté ce que cet ange est venu proclamer, sonner, parler, prêcher, révéler, sachez-le que vous êtes égaré. Ça, je vous l'ai dit. Vous comprenez? Parce que les Écritures est mon appui. Notre appui, nous nous appuyons ici. Vous comprenez? Pour ce qu'il nous a dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ça vous rendra libre. Et la vérité n'est nulle part que ici. Et c'est, si c'est ici qu'il a promis que non, il va envoyer son ange, vous comprenez? Pour que les gens puissent écouter cette trompette et quitter tout ce qui se passe ici, pour lui rejoindre ici, et vous avez pourvu d'autres moyens, par des miracles et des prodiges, tous ces moyens mensongers, en parlant mal d'un messager, comme les gens qui ont parlé mal de Moïse autrefois. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est arrivé avec eux? Ils étaient tous périls dans le désert. Vous comprenez? Donc voilà, Dieu, il est le même. Est-ce que vous comprenez? Il est le même Dieu, le même Seigneur. Lisons les Écritures. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Les anges des sept églises, les sept chandeliers sont les sept églises. Il fallait que je puisse ramener les sept chandeliers aussi. La figure des sept chandeliers, vous pouvez mettre ça ici. Vous allez m'excuser. Vous comprenez les sept chandeliers qui sont comme ça. Vous voyez? Et Christ au milieu. Donc, voilà. Donc cela veut dire il y a trois. Un au milieu et Christ est là comme le Seigneur et l'auteur. Vous comprenez cela donc, celui, le fondateur de l'Église. Lisons d'Apocalypse chapitre 5. On commence au verset 3. Oui, nous lisons. Nous avançons pour terminer déjà. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia, j'aime ça. Un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Suivez bien. Nous allons terminer ça. En dehors. Scellé de sept sceaux. Un livre écrit en dedans et en dehors. Suivez bien. Scellé de sept sceaux. Verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui était... qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? 3. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni les regarder. Alléluia. 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. 5. Et l'un des 24 veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David.
Amen. A vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que les gens dans les églises tiennent compte de ce que les Écritures nous disent? Ils entendent ça. Ils ont amené ça dans le futur. Vous servez un Dieu dont vous espérez hériter ces choses, ou soit son royaume, ou soit ses héritages qu'il a légués pour vous. Mais vous prenez ces héritages qu'il a légués au présent, vous les protégez, vous les prolongez, soit protéger et projeter dans l'avenir, dans le futur. Mais je me demande comment est-ce qu'il est le même aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Vous comprenez? Posez-vous des questions. Nous avançons. 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous comprenez? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Comment est-ce que je suis là? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et cet esprit de Dieu, des anges envoyés par toute la terre. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham. Ils ont invité ceux qui ont été alandaka muntu na oyo ye alobi o nzamba teki katikati na aya oloba soki tolobela ki Mose potomona ki o nini Mose aloba ki na tangone si on a parlé de Moïse on a vu comment est-ce que Moïse s'est identifié parfaitement, je dis parfaitement, si c'est que le Seigneur avait promis à Abraham, moi l'Éternel je viendrai. Dieu, l'Esprit, s'il vient ici, combat poussière, il est la colonne de feu. Quand il vient, il y a des tonnerres de foudre, des éclairs. On ne peut pas résister dans Toto. Non, on ne peut pas. Vous comprenez? Il faut qu'il se diminue. Il diminue, c'est ça que nous disons la condescendance. Vous comprenez? Dieu devient petit, devient un être comme. Quand il a voulu payer le prix du rachat pour nous sauver, il est devenu une cellule dans le sang de la Sainte Vierge Marie. Vous comprenez? Dans ce sang, comme nous avons dit que la femme, c'était une incubateur, une porteuse de la semence. Et voilà, donc elle était couverte de la vertu du Saint-Esprit. Dieu est devenu petit. Il est né comme un bébé. Il a suivi le processus de la nature que lui-même il a créé pour embrouiller les diables et les malins qui se croyaient grands. Dieu dans la simplicité. Vous comprenez? Comme les gens des églises voient Dieu grand. Il peut devenir un homme. Voilà les problèmes aujourd'hui. Voilà les chagrins que notre Seigneur mourra avec ça. Quand je viendrai, est-ce qu'un mortel va croire à un mortel? C'est ça le problème. Parce que moi, je me cache toujours. Comme Amos 3, 6 à 7 avait dit, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret. Sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez cela? Moi, l'Éternel, je viendrai, je le délivrerai. Tout le monde a Moïse. Dans le week-end, il y a des gens. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pharaon a été en train de se faire. Il a changé. Vous comprenez? Et vous voulez voir. Mais quand tu pars à l'église, tu cites Moïse. Quand tu pars à l'église, tu cites Élie. Tu les appelles des gens morts. Alors, quelle est ta position? Voilà ce que le diable a fait avec ce nom de William Branham aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a amené la révélation de Jésus-Christ. Lisons. Parce qu'il a dit qu'il a envoyé cet esprit pour faire quoi? Pour venir avec ses livres. Et celui qui devait
ouvrir ce livre, c'est le dernier des anges, c'est la dernière étoile. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être clairs maintenant avec les gens pour que ceux qui parlent de l'apostasie sachent que l'apostasie, c'est que toi, tu n'as pas une représentation dans le zodiaque. Tu n'as pas une représentation dans le ciel. C'est pourquoi tu ne peux pas, tu ne peux à jamais interpréter ces écritures ici correctes. Tu ne peux pas croire à ce que le messager est venu révéler divinement, j'ai dit, à l'épouse du Christ ici, afin qu'il puisse quitter la Odyssée, la mondanité ici. Vous comprenez? Que les élites, mais celle-ci, il était possible même à séduire les élites. Pourquoi cela est impossible, dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24? Parce que ils vont écouter ce que cet homme-ci, Dieu dans la chair humaine. Vous comprenez? La commission a été donnée, amène les gens à te croire. Vous comprenez? Parce que tu as, moi, les messages. Pour qu'ils puissent quitter ici, mais joindre là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi ces jours-là, quand ils étaient à Paris, dans le ciel d'Arizona, vous comprenez? Donc, même le frère Branham a vu sa représentation ici. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas interpréter quelque chose du mal. Et tous qui ont des représentations là dans la nuit, vous comprenez, quand le Seigneur était venu, il est impossible, pratiquement impossible qu'il puisse interpréter mal ces messages. Vous comprenez, ils ne pouvaient pas faire la compromis avec la parole de Dieu. C'est pratiquement impossible pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une représentation comme cette femme prostituée, ouais, dans cette petite ville de Samarie, à Sichar. Vous comprenez? Quand le Seigneur est venu vers elle, c'était vers 11h, deuxième heure du jour. Vous comprenez? Alors, dans la première heure, c'était pour les vierges qui aillent pour puiser de l'eau. Ouais. Maintenant, ceux qui ont perdu leur vertu, ouais, sacré que le Seigneur leur a donné, il venait à 11h. Elle venait à 11h, le Seigneur était là et elle a commencé à parler avec le Seigneur. Remarquez, une femme prostituée a cru à la parole. Elle s'est souvenue de la promesse de Dieu par rapport aux grands qui étaient dans le temple. Des pharisiens, des sacrificateurs, des scribes, des gens qu'on considérait le saint comme ceux dont nous avons aujourd'hui avec nous, qui ont de grands noms, qui ont de gros amphithéâtres. Est-ce que vous comprenez? Ils égarent les gens en parlant mal du message pour qu'ils puissent amener les gens vers les malins. La mondanité. L'Église est séduite par le monde. Vous comprenez? Les Églises sont séduites par le monde. Ils ont fait la compromis. Ils ont mis ensemble le chaud et le froid. Le nom de Jésus, ce chaud, parce qu'il est la colonne de feu. Et le froid, ils ont pris ça là-bas en faisant l'alliance avec la mort. Le pacte avec le séjour des morts, c'est ça. Dans le front et dans la main. Pour garder les gens bornés ici qui n'avancent pas pour entrer ici. Est-ce que vous comprenez? Être pris à l'enlèvement. Pour qu'ils puissent recevoir la foi de la foi de l'enlèvement ne peut venir que de ce qui est sorti ici, parce que c'est la dernière étoile qui est venue restaurer la foi apostolique ici, pour que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi nous avons parlé que l'Église a été déjà prise dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'absolu du jour. Ils ont reconnu l'absolu du jour. Est-ce que vous comprenez? Lisons. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, eux, les 24 vieillards, se prosternent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Et car, je m'excuse, il n'y a pas de « et » là-bas, d'ouvrir le sceau, point virgule, car tu as été immolé. Amen. Et tu as racheté pour Dieu, voilà, on a bien, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, amen, par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Qui sont ces hommes de toutes langues, toutes tribus? Ça veut dire le Seigneur choisi ici. Les croyants, ceux qui ont reçu lui, le Saint-Esprit, au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Non, là, il y a les raisonnements, il y a les émotions au niveau de l'esprit. C'est pourquoi vous voyez le sens de l'émotion qui se manifeste dans des églises. Vous comprenez cela? On n'arrive pas à comprendre. On est où? À cause de quoi? Des émotions. C'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit qu'ils ont reçu l'esprit. Et ils ont reçu cet esprit. Mais nous, l'épouse de Christ, nous les recevons au niveau de l'âme. Là, il y a la foi. Ou soit, doute. On avance. Lisons Apocalypse chapitre 10. Nous lisons. Ici, on est là. On y est. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel. Je lis et puis on va expliquer. Parce que j'ai vu déjà mon air est arrivé. Ça me reste 10 minutes. Voilà, vous allez m'excuser. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, vous lisez le début du verset 1 du chapitre 10, vous allez voir que non, ça se concorde. Ça parle de Christ qui descend. Comprenez? Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Nous lisons. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la terre. Et son pied droit sur la mer, pardon, vous allez m'excuser. Et son pied droit. Son pied gauche, pardon, sur la terre. 3. Il cria d'une voix forte. Il mène les cris de commandement. Comme rugit un lion. Le lion de la tribu de Juda. Il vient comme les justes juges, les juges suprêmes. Dans sa première venue ici, il est venu comme un agneau. Mais ici, il vient comme le lion pour réclamer ses dons. Il a payé le prix ici. Vous comprenez maintenant, les choses changent. Hein? On avance. Quand, amen, il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'on dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. » Et ne l'écrit pas. 5. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Qui est cet ange? Le lion de la tribu de Juda, qui poussa un grand cri. C'est lui, l'ange de l'Éternel. Vous comprenez? L'ange puissant. On passe maintenant dans verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. 7. Mais qu'au jour
tozongi. Mais qu'au jour, alléluia, de la voix, mais qu'au jour de la voix, monoko yamoto, l'olemo yamoto. Difficile pour un mortel de croire à un mortel. Problème, mais je regarde batu lilo yango wana. Moi, je me rappelle, normalement, avec leur apôtre Manda, je vous dis que non, vous pouvez tout dire, vous comprenez? Et les gens aujourd'hui, on vous leur dit que le prophète est majeur pour nous. Tout en bas, avançons. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix de qui? Du septième ange, nous avons lu. Ici, dans le chapitre 1 et 5, les sept esprits, les sept étoiles, sept chandeliers, sept églises, les messagers sont là-bas. Au jour de la voix du septième ange, Yasuka, bonsoir Azadi. Vous comprenez? Maintenant, comment on reconnaît cet ange? Lisez ce qu'il a prêché. Allez consulter les Écritures, comme le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, aux scribes, quand ils doutaient de lui. Il a dit, allez consulter ce que les prophètes ont parlé de moi, même Abraham, dont vous prétendez être le fils. Il a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Comme les églises aujourd'hui, eux aussi, ils ont regardé la vie. Tarama moi noyo. Regarde-nous, toi, tu n'as pas encore même 40 ans, 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il est parti qui t'a dit que non, mais avant qu'Abraham a salangana sala. À blasphémer, bamba et maba. Voilà ce qui se passe avec les églises. Quand on parle comme ça, on veut que les gens puissent s'asseoir, examiner les choses. Non. Yo, comment ça me pointer des doigts? Non, pourquoi? On parle de la vie ici, c'est clair. La Bible nous a dit, mais au jour de la voix du septième ange, cet ange ici, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Les prophètes, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jean le divin, dans l'île de Patmos, celle ce qu'on dit les étonnés, ne l'écrit pas, c'est pour le temps de la fin. Daniel est venu, le prophète de Dieu, il a voulu écrire, l'ange Gabriel lui a dit, Daniel, celle c'est que tu as vu, la vision, toutes ces choses que tu as vues, que le Seigneur t'a montré, c'est pour le temps de la fin. Toi, va, repose-tu, ton réceptacle est déjà béni, va te tirer là-bas, vous comprenez là-bas. Donc ça veut dire, tes bonnes œuvres te suivront. Voilà. Oh Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Allez m'excuser, hein? Vous comprenez? Il y avait une sœur bien-aimée qui m'a fait cadeau. Que Dieu te bénisse. Ma sœur bien-aimée. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi lire un peu rapide ici et puis on avance. On est ici. Je cherche quoi? Je suis en train de chercher. Non. Ouais, je suis là. Dans 1 Thessaloniciens, on lit 4, on prend verset, nous lisons, voilà, 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas, frères et sœurs bien-aimés, que vous soyez dans l'ignorance. Les Écritures parlent. Et nous allons parler peu au terme. Peu, peut-être 5 minutes. Voilà. Dans l'ignorance, parce que les temps dont nous vivons, là on disait, si vous êtes encore ici, c'est l'ignorance totale. Il y a quelqu'un qui se tient là-bas, là qui costume, il se tient, l'apostasie. Apostasie, ah ouais. Ah ouais, avec ce messager ici. Ah ouais, bon moïli, c'est quoi? Ah bah, tu as dit, comme il déjà, ouais. Comprends, sont des Christ. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bateau, bateau, Christo, persécuté, Zambé. Vous comprenez? Parce qu'ils ont reconnu la voie pourvue par Dieu dans ces temps qu'ils sont en train de vivre. Là,
Il n'y a pas de méli-mélo. Quand vous regardez d'autres églises qui se nomment des églises de message, ils sont dans l'apostasie. Ne faut pas faire allusion au véritable, à l'originel dont nous venons témoigner ici. Non. Vous comprenez? On avance. Nous sommes sujets à des fautes, à des erreurs, à des péchés, des transgressions, toutes ces choses qui nous arrivent. C'est pourquoi le Seigneur a même payé le prix. Mais à ce qui concerne l'interprétation de la parole, nous ne pouvons pas amener ça comme nos vies faibles. Vous comprenez? Non. Non, 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 non. Parce que la seule chose qui peut nous aider sur nos faiblesses, sur nos fautes, sur tout ce que nous commettons, c'est ici. Vous comprenez? La révélation du Seigneur Jésus-Christ par son prophète. La seule chose qui fait en sorte que les gens puissent naître et recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit et retrouver leur nom dans les livres de vie de l'agneau. Lisons. Vous comprenez, c'est la voie pourvue par Dieu dans ces temps parce qu'il savait que le diable n'allait pas aimer ça. Il n'aime pas la révélation. Comprendre. Ne prenez pas ce livre Apocalypse de la manière apocalyptique. Non, prenez ça, la révélation, comme l'anglais le dit. Vous comprenez? Revelation. Alléluia. On avance. J'étais où? J'étais en verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Akoufa, salaboye. Moi, je vais remettre 8 yeux au bout de ma route. Ma combien moi autant à mon nene nini. Hein? Oh comment tu vas ça bolole? Oh ne bolangai. Zonga, tanga ma komi, ndo ososo la peur se repentir que tanga ni mabe. Vous comprenez? Parce qu'il a dit que non, ceux qui sont en Christ sont passés de la mort à la vie. Mais toi tu dis à quelqu'un qui est mort, comment? Le problème c'est ça, de voir un mortel, croire un mortel. On avance. Ici on a tous les reçus clairs. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Révélation chapitre 5, Tangi Banana 1 à 10. Révélation chapitre 10, 1 à 7. 1 Thessaloniciens 4, toujours que Némena. Allons-y. Au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez, vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous vous affligez avec William Branham qui est venu avec la révélation du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ pour faire sortir une épouse. Aller à sa rencontre. Voilà. Avançons. On avance. Voilà. Comme des gens qui n'ont pas d'espérance, qui viennent là-bas parler de Jésus de Galilée. Vous comprenez? Sans espérance que non, Christ est venu pour que nous puissions passer de la mort à l'ensevelissement, de l'ensevelissement à la résurrection. Qu'est-ce que nous venons commémorer ce dimanche ici? Maintenant, cette résurrection que toi tu viens de commémorer, ça n'est pas en toi. Tu n'as pas encore récité alors que les Écritures disent que nous sommes, l'apôtre Pierre l'a dit là-bas, nous étions morts avec lui, ensevelis avec lui, pour être ressuscités ensemble avec lui. Frère Manam est venu, il a dit que non, ce jour-là au calvaire, nous étions sur ses côtes. Comme à Ève était sortie, nous étions sortis ces jours-là. Et quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Remarquez les mystères de Dieu. Oh, cessez de vous habituer avec Dieu. Attention. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera. Ah, non, non, 1 Thessaloniciens. Dans le système de Romains 8, mais 1 Thessaloniciens, il y a des cas de sous, il y a des bisous de sous dans le tombe. Ça nous a aidé. Avançons. Alléluia. Car, vous allez m'excuser que je répète ça. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus la parole révélée du jour. Vous comprenez? Comme il vient de dire ici. Ouais. J'enverrai mes anges, un à un. Vous comprenez ça? Matthieu 24, chapitre 29 à 31.
Avant que le Fils de l'homme puisse venir, lui, le Fils de l'homme, s'est tabernaclé ici, parce qu'il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Jamais dans le bâtiment de l'homme. Jamais aux amphithéâtres. Non. Vous comprenez, c'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il a dit, il frappe dans la porte de individuellement. Il a commencé ici et il s'est tabernaclé. Pourquoi? Parce qu'il a pris ce corps de son dans le sein de sa mère, dès l'éternité, pour qu'il puisse annoncer sa seconde venue et parler. Vous comprenez? Par sa voix, le mystère de cet âge de l'Église et la révélation de cet sceau pour que nous puissions retrouver nos noms ici et porter l'identification de Christ. Je ne dis pas des chrétiens, mais des Christ. Voilà la différence. Je ne parle pas d'identification des chrétiens, des Christ. Enfin, quand on vous persécute, il vient et dit, toi, mon Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Je pensais que je suis en train de persécuter la sœur Cynthia. Non, ce n'est pas elle. C'est moi qui étais en train de persécuter. Non, je pensais que je suis en train de persécuter la sœur Gina. Non, ce n'est pas elle. Quand je pensais persécuter le frère André, non, ce n'est pas le frère André ou frère de Donat. Non, c'est moi. Parce que ces gens ont, lisons, ont quoi? Lisons. 4. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, Apocalypse chapitre 10, il n'y en a pas d'autre. L'avènement du Seigneur, c'est Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Nous les vivants restés. Ça veut dire eux qui étaient partis ici. Le Seigneur les a ramenés. Vous comprenez? Par lui-même. Parce qu'il a dit dans dans Jean 17, Père, voici, je l'ai sanctifié par moi, par ta parole, car ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia. Amen. Lui qui, la parole bien interprétée, c'est que ce messager a dit ça. Est-ce que vous comprenez? On avance. Amen. Alléluia. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. 16. Venez-moi du Seigneur, Apocalypse chapitre 10. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Amen. À la voix de l'archange, au jour de la voix du septième ange, dont le Seigneur s'est personnifié en lui. J'ai dit bien personnifié. Quand vous regardez un homme mortel, au lieu de regarder l'identification de Dieu dans cet homme, vous devenez comme Datan et Biran. Ma belle, mais là, Bango, la terre les a engloutis. Pourquoi? Parce qu'ils doutaient de Moïse. Ils regardaient la chair au lieu de regarder la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Ceux qui doutaient d'Élie, Élie est sorti là-bas. Lui, toi, quand tu vas voir, 3 ans et 6 mois, la pluie ne va pas tomber. Sinon, à ma parole, lisez la Bible, Apocalypse et Deux Rois chapitre 17. Et lui a dit, sinon, à ma parole, et vous comprenez, quand Dieu se personnifie, Josué s'est tenu là-bas, il a dit, toi, la lune, arrête ta course. Soleil, arrête ta course. Le jour le plus long. Vous comprenez, jusqu'à ce que nous allons combattre tous nos ennemis. Cela était ainsi. Pourquoi il avait l'insidie, il était Dieu dans Josué. Josué est devenu Christ. C'est pourquoi la maladie vous prenne comme ça. Le pasteur vient là-bas, il commence à parler avec les démons.
Nagobima. Est-ce que les seigneurs, quand ils chassaient les démons dans les gens, ils étaient en train de discuter, faire des échanges avec les démons? Non. Les démons lui ont supplié, Seigneur, envoie-nous sur le troupeau. Tant la mission est corrigée. Les démons, parce qu'on ne peut pas reconnaître l'écriture. Et vous commencez à discuter avec les démons. Mais jusqu'à tel point, l'autre démon, il a dit à un pasteur que non. Mais toi, tu es le nôtre. Pourquoi tu veux toujours nous menacer? Posons-nous des questions. Donc, il y en a 16. Car le Seigneur lui-même a un signal de donner. À la voix de l'archange, au son de la trompette. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand cet ange a sonné de la trompette, il est venu avec son message. Les lions est descendu ici. Tous qui étaient ici, ils ne sont plus là-bas. Il n'y a personne de tous ces gens ici. Attends, mon tomo wazate. Bango na ba tuto ba holanda bango. Oba ndimi bango. Ils ne sont pas venus parler d'eux, mais parler du Seigneur. Vous comprenez? Tout ce qu'ils ont suivi ici, tout babiment, on a trompette au Yasonaki. Vous comprenez? L'évangile du temps, c'est ça, cette trompette. Voilà. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés. Voilà l'Église qui est prise dans l'enlèvement. Après avoir écouté le son de la enlevé, voilà la foi. Ne pas vivre comme des ignorants, mais des gens sans espérance. Nous vivons des gens avec des espérances. Romains chapitre 8. Nous espérons ce que nous n'avons pas vu, mais nous l'espérons l'avoir possédé déjà. C'est ça même la définition de la foi. Des choses qu'on espère, on en a déjà. Voilà. Si les bombes tombent ici, nous n'avons pas de problème avec des bombes atomiques. Voilà. Parce que le Seigneur a fait la promesse et il l'a accompli fidèlement, comme il est fidèle et juste. Voilà. Tous ensemble, enlevés, avec eux sur les nuées. Voilà. Pourquoi j'avais parlé des nuées. Sans votre représentation là-bas, nul. Voilà. On parle à ceux dont le Seigneur vous a connus d'avance, avant la fondation du monde. Qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ici. Ceux qui n'ont pas ça, pour comprendre, pour boire, pour comprendre la carte dans ma théorie au Kati. Vous comprenez? Rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Vous comprenez? Pour terminer, le temps est déjà fini. Vous comprenez? Donc nous avons vu combien est-ce que le Seigneur lui-même. Il était là, il a envoyé Jean. Jean a écrit et le temps était arrivé dans Apocalypse chapitre 5. La voix se demandait qui est digne de prendre les livres, de rompre le sceau. Et l'un de 24 veillères, il a dit à Jean, Jean ici, on ne plaire pas. Il avait dit, ce n'était pas pleuré, mais il était ému, il était tristé. Il s'est demandé, mais tous mes bien-aimés que j'ai laissés là-bas, même ceux qui vont naître, donc il avait dit, tout le monde seront perdus. S'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir ce livre ici, parce qu'il était là-bas dans les royaumes, dans les cieux, il a vu que non, sans pour autant que ce livre puisse être ouvert, il n'y a personne qui sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi la Bible dit qu'il plaira. Donc, il s'est frémi en lui-même. Et il a vu, voici l'agneau de Dieu. Mais c'est là. Ça veut dire qu'il était sur le propitiatoire, là où le fumet sortait. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il faisait le rôle d'intercession. Cessait d'être des intercesseurs et des intercesseuses. Mais qu'il a ignoré aux amours pour aller intercéder. Vous comprenez, celui qui peut intercéder, c'est celui qui vient avec le sang de l'agneau dans sa main. L'ainsi dit l'Éternel de l'âge. Parce qu'il est là comme Moïse dans la brèche entre Dieu et les enfants d'Israël. Dieu voulait le tuer, il a dit Père. Le Seigneur a regardé Moïse, il joue le rôle du Christ. Si toi tu ne joues pas le rôle du Christ, tu vis dans un lieu où on interprète mal la parole. Avec ton pantalon,
corps serré. Tu viens là-bas, une intercesseuse. Bituna de Bangaï. Vous comprenez? Et il a cessé le rôle d'intercession pour aller maintenant prendre les livres parce que là, il était encore un agneau. Vous comprenez ça? Et le fumet sortait. Et il a quitté, vous comprenez? Là où il était, il avançait maintenant, il a passé les lumières mystiques, mystérieuses, vous comprenez? Pour aller jusqu'à prendre les livres aux mains de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et ces livres étaient scellés au-dedans et au-dehors. Mais remarquez, ce qui nous a été écrit par Jean ici, c'était ce qui était à l'intérieur du livre. Apocalypse chapitre 6, Revelation 7. Vous comprenez? Commencez à lire à partir du verset 1, vous allez voir que non. Quand l'agneau a ouvert le premier sceau, quand l'agneau a ouvert le second sceau, vous comprenez? Vous allez lire jusqu'au septième. Lisez. Chapitre 6, avancez jusqu'à, je pense, 7, avancez là-bas, jusqu'au 8, je pense. On parle de ce que l'agneau a ouvert. L'agneau a ouvert à l'intérieur du livre, là au ciel. C'est pourquoi quand il descendait avec un petit livre ouvert. Ouais. Mais ce qui était scellé au dos du livre n'a pas été ouvert. Parce que ça devait être ouvert ici sur la terre. Et sur la terre, il a avait déjà envoyé une étoile, un ange, parce que le fils d'Abraham et tous sont des étoiles. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, il disait que je suis le fils d'Abraham, lui l'étoile polaire. Vous comprenez? Qui nous conduit? Que les mages observaient? Vous comprenez cela? Parce que Dieu a dit à Abraham, quand il plairait que je n'ai pas de postérité, c'est Eliezer de Damas, il a dit, viens. Dans cette sixième vision, je pense sixième, voilà. C'est pas cinquième ou sixième. Abraham est sorti, il a dit, peux-tu compter le nombre des étoiles? Non, Seigneur, il a dit, telle sera ta postérité. Voilà. Vous comprenez? Ta postérité remplira la terre. Ce ne sont pas n'importe quelle créature, non. Ce sont des étoiles. Oui, oui, oui. Bah, t'as mon lit, oui, bah, oui, tu vas mon arabe étoile, voilà. La partie des étoiles. Vous comprenez? Christ fit une étoile. Voyez, bonhomme, c'est cette étoile. Cette dernière étoile de Dieu, cet ange ici. Et le Seigneur, quand il descendait avec un petit livre ouvert, maintenant il ne vient plus avec elle, comme un agneau, il vient avec comme le lion. Vous comprenez? Vous écoutez ce mystère qui était scellé de cette eau au dos du livre qui est révélé. La révélation de cette eau, le livre que je vous ai montré le dimanche passé. Prenez ça, ça est dans la voie de Dieu. Je vous l'ai dit, entrez simplement dans votre téléphone. Le téléphone n'est pas sympa pour Facebook et prendre des photos, nous montrer des nouveaux habits que vous avez achetés ou soit que quoi, des fêtes, des anniversaires et toutes ces choses-là. Une année de moins dans la vie. Non. C'est pour entrer chercher où se trouve la voie de Dieu. Vous irez là-bas, j'ai besoin de livres de cette chose. Ça se vend combien? Dans la voie de Dieu. Même à Kinshasa, là-bas, ça est là-bas. Kinshasa, la voie de Dieu, l'adresse, tac, sur Google, vous aurez ça. En France, partout, allez là-bas, achetez votre livre. Prenez votre temps de lire. On ne va pas vous dire, vous êtes de quelle église? Non. Les frères, d'abord, seront dans la joie de voir quelqu'un qui cherche la vie. Il cherche comment retrouver son nom dans les livres de vie de l'agneau. Vous comprenez cela? Nous allons lire un verset ici, avant de terminer. Vous comprenez? Et quand il est descendu dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 10, nous venons de lire ça ici. Qu'est-ce que la Bible nous a dit dans verset 7? Il a dit, c'est Christ qui a révélé ce nom à la voix du septième ange. Quand il sonnera de la trompette, c'est le message du jour. C'est ça, nous disons, l'ainsi dit l'Éternel, venu avec un prophète majeur. Vous comprenez? Quand il sonnera de la trompette, le mystère scellé de cette sceau au dos du livre, pas celui qui était au-dedans. Tewana agneau à Saloba, qui est dans chapitre 6, 7, avancé, il a dit ça. Quand il a ouvert les livres, c'est pourquoi il descendait avec les livres ouverts.
Mais ce qui était scellé au dos du livre, lisez Apocalypse chapitre 5, vous venez de lire ici, le livre était scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'intérieur était ouvert, mais à l'extérieur, c'était cet ange ici. C'est ici dont nous avons retrouvé le nom et nous sommes devenus des Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes et pourquoi nous sommes venus de Jésus? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous ne nous retrouvons pas le nom dans ce livre, maintenant je lis et je termine. Nous voulons parler de la parole, mais il y a peu de temps, je pense que j'ai déjà passé mon temps. Vous allez m'excuser, c'est juste de lire ça et puis on termine. On est dans Apocalypse chapitre 13, on lit rapidement dans verset 8. On ne peut pas tout lire, on prend un peu verset 8. Mais si vous avez le temps, vous pouvez tout lire. Vous comprenez. Verset 8, je peux commencer au verset 7 pour un récit plus clair. Vous comprenez? Amen. Alléluia. 7. Il lui fut donné le pouvoir, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Là, là bien. De les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. 8. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. La Odyssée ici, parce que c'est ce que lui il voulait. Voilà. L'adorer, ce dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé, alléluia, dès avant la fondation du monde. Vous comprenez? L'adorerons. Vous comprenez? Nous venons ici, Dieu, dans sa souveraineté. Si vous êtes sincère en vous-même d'abord, et vous le serez devant Dieu, il est si capable, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 11, il a retranché, vous comprenez, de l'olivier naturel, originel, pur, Christ, l'Israël, pour hanter nous, les gens des nations, dans cet olivier qui n'était pas le nôtre. Vous comprenez? Il nous a hantés et nous sommes devenus des branches, des fruits dans cet arbre, dans cet olivier qui est Christ, l'arbre de vie. Ouais. L'apôtre Paul, il a dit que non, il est souverain, il est Dieu, il veut les faire retourner dans leur olivier originel, dans leur propre olivier. Pourquoi? Parce que quand le temps viendra, ils vont reconnaître les messies qu'ils ont persécutés. Zacharie, chapitre 12. Vous comprenez? Chapitre 13. Chapitre 14. Vous comprenez? C'est à qui ils ont persécuté. D'où vient ce plaisir? J'ai mis ça dans la maison de ceux qui m'aimaient. Vous comprenez? Et ils plairaient et tous. Des familles, des femmes à part. Vous comprenez? La famille de Nathan, la famille de David, la famille de ceci, cela. Lisez ça et là-bas. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment est-ce que les Écritures sont claires. Il a retranché Israël. Nous ne sommes, parce que Dieu ne traite pas en même temps avec Israël, avec nous. Non. Quand il traite avec eux, nous étions des païens. Quand ils ont régné, il est venu vers nous. Et nous l'avons reçu. Vous comprenez? Et ils seront hantés de nouveau. Romains chapitre 11, il dit, c'est ça au complet, vous allez voir ça. Même vous pouvez commencer au verset 20 et quelques. Vous avancez, vous allez voir ça, c'est très important ce récit de ce chapitre, j'aime beaucoup. Et Dieu est capable, même si tu n'avais pas une représentation ici, il est temps que le Seigneur nous accorde d'être encore en vie pour que nous puissions... À la fin, vous ne pouvez pas dire que Seigneur, je n'avais pas entendu. Seigneur, je... Non, il est si capable parce qu'il est Dieu et créateur. Il est le Tout-Puissant de vous hanter que vous puissiez retrouver votre nom ici. Mais si vous êtes maître sincère de reconnaître la voix de l'archange, vous comprenez? La voix du septième ange, parce que c'est la seule voix pourvue par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai vraiment pris votre temps.
aimez la parole, partagez-les. Si je vous dis que je n'ai pas terminé, vous n'allez pas me croire. Vous comprenez? Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à parler ici. Vous allez me dire, mais ce livre, c'est le décès de Tsokoma. Non. Et puis, on peut acheter ce livre-là. Il faut prier d'abord pour mieux comprendre ces choses-là. Parce que quand vous lisez ça sans l'esprit de ce livre-là, comme les gens qui lisent la Bible sans l'esprit de cette Bible ici, ils sont égarés. Vous pouvez aller acheter ça dans la voie de Dieu, mais priez et prenez ça, commencez à lire. Vous comprenez? Vous prenez, c'est vraiment gros. Vous prenez, vous lisez même le premier saut, vous commencez à assimiler ça. Si vous voyez que vous n'êtes pas fort à lire, allez entrer même dans votre internet. Vous prenez simplement la voix de Dieu et puis vous choisissez le serment, la révélation des sept sceaux et vous allez écouter. Vous comprenez, ça est là-bas. Vous commencez, vous écoutez la première sceau, le premier sceau, le second jusqu'au septième sceau. C'est ça. Quand quelqu'un vous vient ici pour vous prêcher les sept sceaux, ici, na online, il y a un mot battu en ma peau. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom, restez dans la paix du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Au dimanche prochain, priez pour moi. Je vais prier aussi pour vous. Que la miséricorde de Dieu nous garde toujours, que nous puissions comprendre ces choses et croire.